Et quelles sont les règles un petit peu de ces 24 heures? Alors les règles en fait elles sont assez simples, c'est qu'il y a un maximum de kilomètres de parcouru et on se donne quand même une contrainte, c'est qu'on souhaite qu'il y ait toujours pendant ces 24 heures au moins une personne à courir au marché autour de l'étang Saint-Nicolas. Et il y a des gens qui marchent et d'autres qui courent, hein, c'est ça? Oui, c'est librement. Ce qui compte, ce sont les kilomètres parcourus, quelle que soit la vitesse à laquelle ils sont, okay. En marchant ou en courant. D'ailleurs, on a des. Ça va de 7 à 77 ans, je dirais, puisqu'il y avait des enfants qui ont fait le tour avec leurs parents. Et nous avions aussi un certain nombre de retraités qui étaient là. Nous accompagnons tous les organisateurs de manifestations sur le département. Et le week-end du Téléthon, on se fait un devoir et un plaisir de leur rendre visite sur leur manifestation. Permettez aux coureurs de repartir ou... On essaie. Motivation par rapport au Téléthon, je pense que ça a surtout un aspect symbolique aussi de faire plein de kilomètres pour essayer de trouver une force que certains handicapés justement auraient besoin d'avoir, que nous on a, et on essaie de leur donner un petit peu de chaleur et un petit peu de réconfort. Chaque année, on essaie de trouver une idée un peu nouvelle pour animer un peu, puis donner de l'élan et l'envie. Il y a 2 ans, nous avions été quelques-uns à tenter de faire 100 km individuellement. L'année dernière, nous avions mis en place un défi féminin au sein du pays agricole, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu au moins une femme à courir au marché pendant les 24 heures.